Cette nouvelle génération de réacteurs nucléaires à eau pressurisée est un projet franco-allemand. Il produirait moins de déchets et serait, selon ses promoteurs, plus sûr. Les explications d'Alban Micosi. C'est ici, face à la mer à Flamanville, que doit être implanté le premier réacteur européen à eau sous pression. Le terrain est même déjà prêt. L'EPR sera une centrale de troisième génération. Extérieurement, elle ressemblera aux usines actuelles. La technique utilisée étant finalement assez proche, mais produit deux fois plus de mégawatts. L'EPR, dont la construction doit démarrer l'an prochain, est en fait un outil de transition. L'objectif est de remplacer entre 2015 et 2025 les 58 réacteurs nucléaires actuels qui seront en fin de vie. L'EPR a trois qualités selon ses promoteurs, consomme 15% d'énergie en moins, est présumé plus sûr et rejette moins de déchets radioactifs. Il a aussi un coût, 3 milliards d'euros. Le problème pour la France est de conserver son autonomie en matière de production d'électricité. Voilà pourquoi les scientifiques travaillent déjà sur de nouvelles sources d'énergie. C'est le projet ITER à Cadarache qui va tenter de reproduire les réactions en chaîne que l'on peut observer à la surface du Soleil. Mais les applications concrètes de ce projet ne sont attendues au mieux qu'en 2050. Après le